vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comme vous pouvez le constater, je commence ce vlog mercredi 24 janvier et pas lundi 22 parce que le début de ma semaine était catastrophique. Comment vous expliquer que je suis malade, mais genre vraiment malade. Là ça a l'air d'aller mais je vous jure que je suis malade. J'ai la grippe je pense ou un rhume de fou, enfin bref. Hier impossible de faire quoi que ce soit, j'ai demandé à travailler de chez moi, j'ai travaillé comme je pouvais mais j'étais au bout de ma vie. Donc voilà, et puis aujourd'hui j'avais école mais je me sentais pas du tout d'y aller ce matin, genre vraiment faire le trajet et tout, je m'y sentais pas du tout. Donc j'ai décidé de rester chez moi, faut que je fasse un arrêt du coup maladie pour justifier mon absence. Mais vraiment quand je vous dis que c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Genre là je vous parle mais j'ai la tête comme ça, hein. Hier j'avais des courbatures partout, là j'en ai plus que sur la cage thoracique genre. Mais horrible, vraiment horrible. J'essaye quand même de travailler parce que j'ai des trucs à faire, notamment pour mon entreprise. J'ai pas mal de trucs sur lesquels il faut que j'avance. Enfin en fait c'est des trucs pour mon entreprise mais qui sont aussi pour l'école, puisque j'utilise mon entreprise pour faire mes projets d'école. Donc j'ai pas mal de trucs à faire, donc j'essaie d'avancer comme je peux mais c'est un peu compliqué. Aujourd'hui je vais faire que essayer d'avancer sur mon travail, tout ce que j'ai à faire. J'ai une tête de fou, je peux pas me voir en peinture. Ce matin j'ai fait que ça, là il est 13h20 et je me suis fait à manger, c'est en train de chauffer. Je vais me faire des pâtes rapides. Je vais continuer à avancer comme je peux et puis je vais quand même essayer de me reposer parce que demain je travaille et j'ai aucune envie de rater un jour de travail en plus. Donc, j'espère que ça ira mieux demain. Je vais faire que boire de la tisane, que je sais pas. Voilà. Vlog malade, j'ai l'impression que je vous fais des vlogs malades tout le temps. J'ai l'impression que je suis malade tout le temps alors qu'en vrai, de façon générale, je trouve que ça va. Mais je vous jure que je suis malade tout le temps. Genre avant, je n'étais jamais malade. Mais quand je vous dis jamais malade, je n'étais jamais malade. Et là, j'ai l'impression que je suis malade tout le temps, j'en peux plus. Je vous jure, j'en peux plus. Vous allez suivre un peu cette semaine avec moi, mais c'est une semaine un peu tranquille. Je voulais grave aller à la salle de sport, courir, parce que hier j'ai pas pu. En plus, là il fait beau, donc j'ai envie d'aller courir dehors carrément, mais je vous jure, je suis pas en capacité d'aller courir, ça sert à rien de me forcer. Donc je vais pas y aller, mais je suis dégoûtée. Donc voilà, je vous retrouve quand mon repas est prêt, enfin j'en sais rien en fait. Vous allez suivre la semaine avec moi, et puis j'espère que ça ira mieux vite. Et voilà. Il est 17h38 et je ne fais que bosser. Donc, je suis contente parce que je suis très productive, j'ai fait plein de trucs aujourd'hui alors que hier c'était pas ça, donc ça va. Je me sens grave mieux, genre vraiment je me sens mieux, juste je sens que j'ai la tête, genre je peux vite avoir mal à la tête, mais je me sens grave mieux. J'ai bien bossé donc je suis contente et il me reste encore des trucs à faire donc je vais continuer à bosser encore jusqu'à ce que j'en ai marre. Tout simplement, jusqu'à ce que je sens que je suis plus productive. J'ai fait une petite pause quand même dans l'après-midi parce que j'étais plus productive, j'avais besoin de faire une pause, tout simplement. Mais c'est vraiment boulot, 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 donc je vais continuer sur ma lancée finalement. Je vous dis mais je vous ai pas parlé depuis hier. Actuellement je suis en pause déj, enfin en fin de pause déj. Il est 13h59 et je retourne au travail. J'ai mangé chez mes parents. Voilà, donc ce matin j'ai fait que bosser, bon, logique je suis au travail donc je suis là pour ça quoi. Et cet après-midi pareil, j'ai pas mal de taf donc je vais avancer dessus. Et puis voilà, je vous récupère quand j'ai fini ce soir. Ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé, depuis hier midi si je dis pas de bêtises. Il est 9h08 et je vais partir de chez moi pour aller au travail. Cette semaine c'est vraiment pas ma semaine, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup pas ma semaine et ça commence à me saouler. Faut changer de mentalité là, ça va pas du tout. Cette semaine du coup bah, je vous ai dit j'étais malade lundi. Bon lundi j'étais pas bien. J'étais fatiguée, j'étais pas trop bien, mais ça va. Je suis allée au travail. Mardi, mercredi, j'étais trop malade. Mercredi, j'ai quand même bossé. Mardi aussi. Mais mercredi, j'étais plutôt productive, donc ça va. Hier, je suis allée au travail, mais j'ai eu une migraine de ouf vers la fin de la journée. Enfin, je suis quand même fatiguée. Je sens quand même que je suis pas à mon prime, genre. Je suis pas bien, je suis pas productive, etc. Voilà, donc là, vendredi, dernier jour de travail. Et je vous jure que ce week-end, je l'attends comme le messie. Genre, vraiment, je veux me reposer. Mais vous imaginez, je ne sors pas de chez moi ce week-end. Du coup voilà, donc là je vais travailler. Voilà, je vous tiens au courant, je passe la journée au travail. Genre vraiment je déjeune au travail et tout. Donc je sais pas si je vous reprendrai d'ici la fin de la journée. Mais voilà. Mais tu l'as jamais dit. Salut les gars. Comme d'habitude, avec la bonne vieille Thaïs. Je voulais vous snapper la pizza mais j'ai pas eu le temps. On l'a mangée. Enfin il y en avait deux.
on les a mangés. Je vais chialer. Oh la vache. Salut les gars. On est samedi 27 janvier, très exactement. Il est 12h57 et depuis ce matin, depuis ce que vous avez vu ce matin, je ne fais que travailler. Étonnant, pas du tout. J'ai l'impression que mes jours ne se résument qu'à ça, mais j'aime beaucoup ce que je fais, donc ça me dérange pas. Que vous dire, que vous dire, que vous dire. Écoutez, ce matin, je me suis réveillée, j'ai très bien dormi. Donc je suis très contente parce que ça faisait un moment que je dormais pas hyper bien. Et là, depuis 10h30 je pense ce matin, je suis en mode travail. J'avais pas mal de trucs à faire et j'ai toujours pas mal de trucs à faire, donc j'essaye d'avancer un peu sur tout. Du coup voilà, j'ai traité des mails, j'ai complété mon tableau de prospection, enfin vraiment le quotidien de quelqu'un qui crée une société. Je trouve ça trop cool comme, enfin en fait j'aime trop travailler sur ça, genre vraiment j'aime trop, je pourrais faire ça tous les jours de ma vie si je pouvais être payée à faire ça. Bientôt je serai payée pour faire ça, d'accord? Je crois fort en moi, donc bientôt je serai payée pour faire ça, mais j'aime trop, je vous jure j'adore, je kiffe ma vie. On est samedi, on est en week-end, je devrais faire autre chose, mais non, j'aime trop ce que je suis en train de faire. Il est 13h du coup, enfin 12h58, j'ai toujours pas mangé, faudrait que j'aille me faire un truc à manger, je vais voir ce que j'ai pour faire un truc un peu rapide. Je reçois mes courses normalement aujourd'hui en début de matinée, si je ne dis pas de bêtises, en début d'après-midi pardon. Ouh là là, la vache. Vraiment il s'agissait de remplir mes placards, c'était la catastrophe un peu. Il fait nuit, ça fait un moment que je vous ai pas parlé, mais tout simplement parce que j'ai rangé mes courses et je n'ai fait que bosser. Vraiment je n'ai pas arrêté, il est 18h30. Je suis très contente de moi parce que j'ai été hyper productive, j'ai fait trop de trucs, j'ai appelé mes prospects, d'accord? Pour moi c'est... Le truc qui m'angoisse le plus c'est de faire ça et d'aller les voir en physique, ça m'angoisse. Mais c'est horrible. Voilà, j'ai complété ma to-do list de choses à faire pour aujourd'hui. J'ai à peu près fini. Le programme du reste de la journée, c'est que là, je vais faire la vaisselle parce que j'ai grave de la vaisselle qui traîne. Je vais me faire à manger. Donc faire la vaisselle, me faire à manger. Et vers 20h, 20h30, j'ai rendez-vous avec Sté normalement pour aller boire un verre avec Sté et Estelle que j'ai pas vu depuis un moment. Sté étant au Japon depuis une semaine, voire plus. Non, une semaine, je crois. Donc là, le programme, c'est manger. Enfin, ranger et manger, comme d'hab. Du coup, voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Et c'est tout. Putain, j'ai trop bien bossé, je suis trop contente. Il est 11h30 et j'ai passé une matinée archi tranquille, calme. Je me suis réveillée un peu tard. Enfin, je me suis levée un peu tard parce que je me suis réveillée à 9h30 mais je suis restée dans mon lit grave longtemps. J'ai pris mon petit déj, là je suis en train de boire un smoothie. Un masque dans mes cheveux, genre un masque vraiment de ouf. Toute ma skincare et puis là je vais commencer à faire un peu le ménage de chez moi, enfin un peu, je vais faire le ménage de chez moi et puis voilà, ça va être un dimanche assez calme. J'aimerais bien aller me promener parce que hier je suis pas allée, bon après je suis sortie hier soir, je suis allée voir Sté, d'ailleurs je vous ai pas du tout vlogué mais parce que ça faisait longtemps que c'était pas vu, du coup il y avait Sté et Estelle, on a grave discuté et tout, je n'ai pas vlogué. Du coup voilà, donc go faire le ménage et puis bon je vous filme toujours un petit peu mais pas beaucoup non plus parce que bah, c'est pas hyper intéressant de regarder faire le ménage je crois. Bon, en tout cas je suis contente parce qu'il fait plutôt beau même si bon il fait un peu couvert mais il y a du soleil quand même au minimum. J'ai bien dormi, me sens bien, donc voilà. Bon allez, go ménage et puis je vous retrouve juste après.